Pour leur 7e match de la saison, les filles de la capitaine Elodie Litière recevaient la formation de Bully Les Mines ce samedi dans leur salle fétiche du Pont de Pierre. Et il ne fallait pas arriver en retard pour ce match et pour cause. D'entrée, les Gravinoises assènent un véritable coup de bambou sur les visiteuses, 5-0, soit quasiment un but par minute. On ne jouait que depuis 6 minutes seulement. Mais tout cela n'était que feu de paille. Doucement mais sûrement, les filles de Bully recoltent à la marque. Mieux même, elles passent devant un peu à la surprise générale, il faut l'avouer. À la pause, malgré leur excellent début de rencontre, les Gravinoises sont menées 11-12. La pause ne change rien à la donne. Les visiteuses prévenues des entames de mi-temps gravinoises contrôlent le tempo. L'USG ne parvient pas à refaire le coup de la première mi-temps. Et en dépit des efforts de la gardienne gravinoise Joséphine Cadard, l'USG n'arrive pas à recoller à la marque. Finalement, c'est sur le score de 20-24 qu'est sifflée la fin de la partie. Au classement, les Gravinoises occupent la 10e place de la poule 4 de National 3 avec 12 points, mais un bilan négatif de 4 défaites pour 1 nul et seulement 2 victoires.